On parle de ce synode sous tension qui se termine, Thomas, au sein de l'Église en France. Des prêtres, des évêques et même des laïcs se sont réunis pour débattre de l'avenir de l'Église, la place des femmes, de la sexualité, de la laïcité. 368 hommes et femmes ont abordé ces points cruciaux pendant un mois, Louise Salé. Eh bien, il y a eu deux thèmes centraux. Tout d'abord, la place des femmes dans l'Église, comment leur donner plus de pouvoir. C'était la grande réflexion de ce synode dont l'Assemblée est composée d'une cinquantaine de femmes pour la première fois. Elles ont un droit de vote sur le texte final au même titre que les responsables religieux. Il était question de réfléchir lors de ce synode à la possibilité pour les femmes de devenir diacres. Un diacre, ce n'est pas un prêtre, mais une sorte d'assistant de messe qui peut célébrer les mariages ou faire des homélies. Mais cette idée de femme diacre a été rejetée dès les premières discussions au début du mois. L'autre thème abordé, c'est le pouvoir des évêques, comment les rapprocher davantage des paroissiens, faire en sorte qu'ils rencontrent régulièrement les fidèles pour mieux connaître leurs besoins. La synthèse de toutes ces discussions est donc remise au pape ce week-end, mais il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant de connaître ce que François aura décidé d'en retenir. En football.